Soyons honnêtes dès le départ. Quand il s'agit de creepypasta, les chances de lire quelque chose en lien avec un vieux et obscur jeu vidéo sont plutôt grandes. Le coût de la vieille cartouche de jeu hanté ou de la VHS retrouvée par hasard est probablement un des concepts les plus repris dans le storytelling horrifique en ligne. En effet, les exemples ne manquent pas. On peut notamment citer le cas de The Walton Files ou encore le projet Home Gemini Entertainment. Et comment ne pas citer le formidable Petscope qui a été popularisé en France par le youtubeur Feldup. Bref, le concept du vieux jeu vidéo mystérieux retrouvé fortuitement s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'internet des années 2010. Et on pourrait presque affirmer que ce concept a été utilisé jusqu'à la corde. Et puis, l'algorithme rentre en jeu. Alors que je pensais avoir tout vu sur ce domaine, je suis tombé sur... ça. Intenté toda la mañana poner este video en palabras comprensibles. Realmente intenté, pero la historia es demasiado larga para poner en un video corto. Hacer un video largo, la verdad, no le veo mucho caso. Pero básicamente... Mais en gros, dans cette vidéo postée sur sa chaîne YouTube le 5 octobre 2022, un utilisateur argentin dénommé Alluvium raconte qu'il y a 2 ans, il était parti se promener dans une partie peu fréquentée d'une forêt, et qu'au cours de sa balade, il était tombé sur cette étrange statuette. En dessous, la terre semblait fraîche, comme si elle venait d'être manipulée. Et puis, il y avait cet étrange nœud rouge qui, a priori, n'avait rien à faire dans cette partie de la forêt. En tirant sur la ficelle, Alluvium s'est simplement rendu compte qu'elle était coincée et qu'il allait devoir revenir avec des outils s'il voulait voir à quoi elle était reliée. Et c'est ce qu'il a fait. Une semaine plus tard, il revenait avec une pelle et parvenait à déterrer une sorte de boîte métallique entourée de ficelles. À l'intérieur de cette boîte, des morceaux de polystyrène protégeaient une cassette VHS. En rentrant chez lui, Alluvium a sorti du garage le vieux magnétoscope familial et inséra la mystérieuse VHS à l'intérieur. Alluvium explique ensuite que la cassette contenait un enregistrement d'un jeu vidéo qui lui a d'abord semblé tout à fait banal. Pendant les premières minutes de visionnage, il n'a rien trouvé de particulièrement bizarre. Alors, il s'est mis à regarder la vidéo en accéléré, pour voir s'il n'y avait pas autre chose sur la VHS que cet étrange enregistrement. Il précise ensuite qu'il a mis un certain temps avant d'apprendre que le jeu était inconnu parce qu'il ne s'intéresse absolument pas aux jeux vidéo. Un peu déçu, Alluvium a alors laissé la VHS à côté du magnétoscope où elle est restée pendant presque un an. Mais très récemment, son intérêt pour cette mystérieuse cassette a été ravivé. En racontant cette anecdote à un de ses amis, ce dernier a eu très envie de voir cet enregistrement. L'ami en question, qui s'y connaissait en jeu vidéo, s'est rapidement rendu compte que ce jeu était totalement inconnu. Alluvium lui a alors demandé s'il pouvait s'occuper de numériser la VHS car ce genre de truc et lui, ça fait deux. Il explique alors que s'il ne connaît rien aux jeux vidéo, il sait comment fonctionne YouTube, et que tout ne peut pas être diffusé sur la plateforme. Il précise enfin que des recherches seront nécessaires pour voir si certains passages de l'enregistrement pourraient être répréhensibles ou non, car ils semblent contenir un certain nombre d'images subliminales. Bref, la première partie de la version numérisée de cette mystérieuse VHS est là, disponible en 2 versions, en espagnol et en anglais avec des sous-titres. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que l'enregistrement est plutôt effrayant, et il n'est pas impossible qu'il y ait quelques jumpscares de qualité. C'est bon? Vous êtes bien installé, dans le noir et avec une boisson chaude à proximité? Allez, c'est parti. Thank you.
Avant de voir ce qu'il y a après cette petite cinématique d'introduction, revenons un instant sur les informations qui se sont affichées avant l'écran titre. Après le logo habituel de la PlayStation 1, s'affichent les informations relatives à l'enregistrement lui-même. Visiblement, la captation a été réalisée au Japon et date du 14 février 1997, qui est d'ailleurs la date de la Saint-Valentin. D'après cet encart, deux hommes étaient supposés être en charge de tester le jeu, Robert Setern et Pablo Gutiérrez. Et à en croire ce que nous présente cette fiche d'information, les équipes en charge du test du jeu encore en développement en 1997 ont recensé plusieurs bugs, et notamment des problèmes avec les intelligences artificielles du jeu, des algorithmes d'apprentissage défectueux, et des problèmes de hardware, et plus spécifiquement du TH Brain, qui sera d'ailleurs mentionné à de multiples reprises tout au long du jeu. Si aujourd'hui il y a tout un tas d'accessoires supplémentaires qui permettent de jouer aux jeux vidéo autrement qu'avec une manette ou un clavier, en 1997 c'était bien plus rare, et surtout hors de prix. Visiblement, ce message veut nous préciser que Valleverde se joue avec un accessoire exclusif à la PS1, et qui serait donc le TH Brain. Et puis, il semblerait que ce jeu utilise un système d'intelligence artificielle, capable d'apprendre par elle-même grâce au machine learning. Enfin, on retrouve tout en haut le nom du sujet, la Vallée Verte, ou Valle Verde, qui est également le nom du jeu. Le logo de Nixware, la société japonaise ayant développé ce jeu, apparaît ensuite sous la forme d'un O rouge et d'un X bleu, couleur qui rappelle étrangement les ficelles qui entouraient la boîte en métal déterrée par alluvium. Sous le logo, il est possible de lire un texte qui pourrait se traduire par « Votre cœur est entre nos mains ». Ce qui est un slogan assez curieux pour une entreprise qui fait des jeux vidéo. Bref, arrive ensuite le logo de l'Institut des sciences et technologies de Shizuoka, qui existe bel et bien au Japon. Et puis, c'est au tour du joueur de sélectionner sa langue, et visiblement, c'est l'espagnol qui a été choisi pour cet enregistrement. La scène d'intro commence et semble avoir été skippée par le joueur réalisant l'enregistrement, puis arrive l'écran d'accueil. Après avoir cliqué sur Nouvelle partie, un message apparaît pour demander au joueur de faire attention à ne pas déconnecter le TH Brain, redémarrer ou éteindre la console. Visiblement, il n'est pas possible de lancer Valle Verde sans ce fameux dispositif qu'est le TH Brain. Et pour ce qui est de savoir ce qu'est un TH Brain, eh bien, on dirait que ça nous est présenté ici, indirectement, comme étant un accessoire expérimental que le joueur connecterait directement à son cerveau. Bon. Arrive ensuite la première cinématique du jeu et il semble impossible de nier le fait que ce niveau d'animation est du jamais vu dans le monde de l'analogue horror et de toutes ces histoires de jeux vidéo maudits que l'on trouve ici et là sur YouTube. Vraiment, regardez le niveau de cette cinématique. Le rendu est impeccable et il ne fait aucun doute qu'une vraie équipe de professionnels de l'animation est derrière cette séquence. Pareil pour l'écran d'accueil du jeu, les menus, la musique, les effets sonores, il est clair que tout ceci est le fruit d'un travail méticuleux. Après s'être nommé Test 05 auprès d'un premier personnage, une nouvelle cinématique apparaît pour immerger un peu plus le spectateur dans l'univers de ce mystérieux jeu. Le testeur du jeu débarque ensuite à Debugshima et est prié de partir en ville à la rencontre de Foxo. Et prêtez attention à l'habillage sonore de la séquence d'arrivée en ville. Vous avez entendu le bruit qu'a fait la tête du robot quand elle s'est dirigée vers le joueur? C'est un minuscule détail, mais c'est tout à fait le genre d'élément que l'on retrouve dans les jeux vidéo professionnels. Et Valle Verde est rempli de ce genre de micro-détails, finement pensés pour entretenir le flou entre la réalité et la fiction dans l'esprit du spectateur. Bref. Foxo, qui se présente comme étant le maire de la ville, accueille le joueur et lui explique la signification de son brassard de commandant. Il y en a visiblement un pour chacun des trois arbres du savoir. Foxo fait ensuite faire un tour de la ville, qui commence d'ailleurs par l'endroit où le joueur aura droit de loger pendant son aventure, à savoir le local d'une boutique abandonnée depuis des années. Et puis vient ensuite le moment de rencontrer les locaux. Thank you.
Je crois qu'on a tous suffisamment déjà vu ce type de vidéo d'Analog Horror pour comprendre que tous ces personnages qui nous sont présentés sont les précédents joueurs. De vrais enfants ayant été choisis pour tester le jeu, et qui, à part Mathias, n'apparaissent pas à l'écran. Un nouveau glitch recentre la scène sur la place centrale avec cette statue en or de Foxo. Après un petit dialogue avec Monsieur le Maire, on apprend que le Smiling One, celui qui sourit, lui a donné l'autorité absolue sur toute la zone. Et voilà, en moins de 5 minutes sur une vidéo qui en fait 21, on a déjà eu des glitchs des enfers et un nom énigmatique qui semble être très important dans l'univers de Valle Verde. Bref, Foxo continue ensuite de présenter aux joueurs les autres personnages qui peuplent la ville. Edo, qui s'occupe du musée, le docteur Nito, qui travaille dans un laboratoire souterrain, et puis Isaac, le robot boxeur. Foxo donne ensuite un peu d'argent aux joueurs et lui demande de se souvenir de ce geste généreux, lorsqu'il conviendra de voter pour les prochaines élections. Après cette petite phase de corruption politicienne, le joueur peut de nouveau se déplacer. Mais dès qu'il commence à tourner le dos au maire, ce dernier revient à la charge, déclenchant ainsi une nouvelle scène durant laquelle un pictogramme de mécanisme se met à clignoter, sans que l'on sache trop pourquoi. Quelques secondes plus tard, un message mentionnant une anomalie dans la génération de la map apparaît sur l'écran. Le joueur se retrouve alors dans ce qui semble être une forêt remplie de pâtisseries. Le testeur, que l'on imagine assez surpris de se retrouver dans ce type de décor, ouvre alors la map et décide de faire demi-tour et de re-rentrer dans la zone, en pensant certainement que ça corrigerait le problème de génération de la carte. Mais retour dans la zone remplie de gâteaux. Le joueur poursuit donc sa route et se retrouve dans une nouvelle zone, cette fois-ci remplie de ces statues bizarres et de ces yeux inquiétants. Le testeur ne s'y attarde visiblement pas et se contente de jeter quelques regards autour de lui avant de poursuivre vers la prochaine zone. La nouvelle clairière semble être remplie de richesses, des tas d'or, des toiles de maître et en fond, le bruit d'une caisse enregistreuse. Pour sortir de cet endroit, le joueur est obligé de récupérer certains tas d'or pour déblayer le passage. Et dans son inventaire, on peut voir qu'une description est associée à cet item. Vous l'avez volé dans le bureau du maire, n'est-ce pas ? Bon, le moins que l'on puisse dire à ce stade est que ces clairières qui se succèdent paraissent bizarres. Mais la prochaine risque d'outrepasser les précédentes dans l'étrangeté. C'est peut-être allé un peu vite, mais avez-vous fait attention à l'objet qui poursuivait le joueur ? Après avoir traversé les gâteaux, croisé des yeux géants qui nous fixaient, trouvé une clairière remplie de trésors, le joueur se retrouve maintenant sous une pluie de sang, arrosant ce qui semble être des fœtus sur le sol. La paire de forceps qui poursuit le joueur à la fin de cette séquence semble relier cette clairière à un concept dont on ne peut malheureusement pas parler sur YouTube, mais je pense que c'est suffisamment explicite. Bon. Retournons à la suite de l'enregistrement. Que si has querido que dormí pa' que yo singe, anda a buscar otro lince si tenés sueño, perdón. Vení. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. That he should do his duty, and to impress him, take
takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." La voix que l'on entend est une citation de Julius Robert Oppenheimer, le directeur scientifique qui a supervisé la création de la première bombe atomique. Plus spécifiquement, Oppenheimer aurait prononcé cette phrase en voyant les dégâts causés par les tests expérimentaux des premières bombes. Le joueur s'enfonce ensuite dans les ténèbres d'une nouvelle clairière recouverte de ce qui semble être une matière organique et qui est remplie de statues se contemplant dans des miroirs, pour finalement arriver sur une sorte d'entrée vers des contrées angéliques. 10 statues d'anges sont disposées en rond autour du passage menant à cette gigantesque porte. Et en les traversant, le testeur se retrouve face à une grande église surmontée d'une gigantesque croix. Mais finalement, le joueur fait demi-tour et une anomalie semble s'être produite car l'enregistrement enchaîne directement avec une nouvelle journée de test réalisée le 15 février 1997, soit le lendemain. C'est la fin de la séquence, puis ça enchaîne directement sur un nouvel enregistrement d'une session de test ayant eu lieu 2 jours après. Mais revenons sur ce qui vient de se passer. Il est maintenant à peu près clair que le joueur test 05 est là pour enquêter sur la disparition de Mathias, un jeune garçon qui serait bloqué à l'intérieur de Valle Verde. La conscience de Mathias semble en effet coincée dans son avatar. Le joueur demande ensuite à Mathias s'il sait où sont les autres. Certainement les autres enfants qui auraient pu disparaître suite à leur phase de test de Valle Verde. Du coup, ces éléments semblent nous confirmer que le TH Brain serait une sorte d'appareil crânien expérimental permettant une immersion encore plus avancée que ce que permet déjà la réalité virtuelle. Après cette anomalie, le joueur entre enfin dans l'église pour une scène relativement normale, à l'exception d'un vieux poème parlant de la relation entre Marie et Jésus qui est récité par le prêtre se tenant au centre de la salle. En lui parlant, il dit qu'il n'aurait pas dû répéter les secrets de Joseph de Cupertino, célèbre prêtre capable de léviter et ayant lui aussi des visions. Bon, ok. Valle Verde semble avoir un lien très fort avec l'imagerie religieuse. Et d'ailleurs, il est à peu près certain que les prairies traversées représentent les 7 péchés capitaux. La clairière au gâteau est la gourmandise. Celle avec les statues qui fixent le joueur pourrait représenter l'envie. La séquence avec les tas d'or et les tableaux, l'avarice. Celle avec les trucs ensanglantés sur le sol, la luxure, même si c'est une manière très bizarre de la représenter. La clairière où est diffusée une musique dont les paroles parlent d'un homme qui ne veut pas travailler, la paresse. Assez logiquement, la clairière avec l'œil rouge et la citation sur la bombe atomique doit très certainement représenter la colère. Et enfin, celle qui est remplie de miroirs représente l'orgueil. Et puis, à un moment, alors que le joueur s'apprête à quitter la zone représentant la paresse, il y a cet étrange glitch. Regardez. Vous avez vu? Je vais passer cette séquence au ralenti pour que vous puissiez bien voir ça. Est-ce que ce truc est le Smiling One dont Foxo parlait? Un peu tôt pour le dire, mais gardons cet élément en tête, et passons à l'enregistrement qui fait suite et qui date du 18 février 1997. Le joueur se retrouve près de Foxo, et on peut noter un premier détail étrange avec la statue en or. Dès que Foxo lui tourne le dos, la statue à son effigie se met dans une position un peu plus classique pour un renard. Et directement après ça, une nouvelle anomalie.
et regardez la qualité de la séquence d'introduction de cette nouvelle session. S'ensuit alors une phase que l'on imagine être un mini-jeu en avion, où on croise d'ailleurs une version bizarre de la Statue de la Liberté. Et puis, une nouvelle anomalie qui nous envoie sur un enregistrement datant du 21 février 1997. On y voit un habitant de la ville passer dans une petite allée cachée entre deux bâtiments, qui semble nécessiter d'y aller au pixel près. En l'empruntant, le joueur se retrouve dans une nouvelle clairière, comportant d'étranges pylônes ainsi qu'un arbre sous lequel se trouve une arche composée de deux règles. En s'approchant de cette construction, on se rend compte qu'il y est inscrit la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Ok. En franchissant ce portail, le testeur se retrouve dans un vaste espace brumeux où il est possible de discerner la présence de statues géantes. En avançant, il est possible de trouver 6 statues de loups disposées en cercle, au centre duquel il y a ce qui ressemble, d'après moi, à l'image d'un agneau. Le joueur reste un moment près de cet agneau luisant et puis... jumpscare. Allumer la console le 22 mars 1997, écrit dans plusieurs langues. La session de jeu durant laquelle cette séquence a été enregistrée date du 21 février 1997. Valleverde semble donc inviter le joueur à ne rallumer sa console que dans un mois. Mais pourquoi ? On sait que les mystères de Valleverde semblent être liés à la religion. En 1997, le dimanche de Pâques tombait le 30 mars, donc d'après le calendrier chrétien, la semaine du 22 mars 1997 correspondait donc à la semaine sainte. Pour les chrétiens, cette semaine est destinée à commémorer la passion du Christ, c'est-à-dire les souffrances endurées par Jésus de la main des hommes. Bon, ça n'est qu'une intuition, mais Valleverde ne semble pas distiller ce genre de détails au hasard. Mais avant de regarder la suite de l'enregistrement, revenons sur cet étrange portail mentionnant la devise de la République française. Qu'est-ce que la France a à faire là-dedans ? Vous vous souvenez de Chloé ? La jeune joueuse française qui semble avoir disparu et que Mathias recherchait. Comme il n'a parlé que d'elle et pas des autres, on peut supposer qu'ils s'étaient déjà croisés, et qu'elle avait donc été la dernière à avoir disparu. Peut-être même que l'agneau au milieu des loups faisait référence à une jeune fille en danger. Mais une fois de plus, ce n'est qu'une interprétation de ma part. L'enregistrement se poursuit donc avec une nouvelle session de test en date du 22 février 1997. Le joueur se trouve dans une clairière qui semble plus grande que les précédentes, et après quelques pas seulement, une bulle de texte apparaît semblant venir de ce grand arbre, qui invite le joueur à manger, et visiblement à croquer dans un fruit. Bon, là je pense que vous avez compris qu'il s'agissait d'une référence aux fruits défendus et au mythe de la chute des hommes. Dans le récit biblique de la Genèse, le diable, sous une forme de serpent, tenta Adam et Ève de croquer dans le fruit défendu, alors que, comme son nom l'indique, Dieu leur avait interdit de le faire. Et on connaît la suite. Le joueur se retrouve donc face à un parterre de fruits. Regarde-toi, tu as tout ruiné. Regarde ce que tu as fait, imbécile. Pourquoi tu restes planté là? Mange autant de fruits que tu peux. Vite, le temps presse. Tu sais que tu vas mourir, n'est-ce pas? Si tu as déjà touché le fond, pourquoi tu ne continues pas de creuser? Prends tout ce que tu peux. Qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps? Allez, quelle différence ça fera? Ton destin est scellé. Et toutes ces jolies paroles venant d'un personnage nommé l'accusateur sont suivies par cet étrange visage plongé dans les ténèbres. Je pense que là, tout colle parfaitement avec la scène du péché originel. Et si vous vous demandez pourquoi il manque l'iconique pomme rouge, qui semble indissociable du mythe d'Adam et Ève,
Eh bien, sachez que si le pommier est le plus souvent cité, parce que c'est un arbre très courant en Europe, l'espèce de l'arbre n'est pas spécifiquement indiquée dans les textes. D'ailleurs, dans plusieurs édifices religieux, on trouve des interprétations de la scène du péché originel avec une grappe de raisin. Comme par exemple sur les chapiteaux sculptés de la basilique de Vézelay en Bourgogne, dans la basilique Notre-Dame du Port à Clermont-Ferrand, ou encore dans la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Voilà, le petit point culture est terminé. Le joueur se retrouve ensuite dans ce qui pourrait à peu près ressembler au jardin d'Éden, dans une vallée verte, une Valle Verde en espagnol. Et il fait ensuite face à une espèce de statue angélique qui bouge et qui comporte tout un tas de détails ésotériques. Malheureusement, les portes restent closes, mais quand le joueur s'approche... Le joueur rencontre alors Ito, le gardien de musée dont les bulles de dialogue sont surmontées par une icône de mécanisme, qu'on sait maintenant en lien avec l'étrange force qui hante Valle Verde. Ito génère des lignes de dialogue un peu décousues avec des erreurs de traduction, notamment le mot « com », C-O-M, qui se transforme en « the smile », le sourire. « Le sourire m'a demandé de collecter 10 visages pour le carnaval. Peux-tu m'aider ?» Et puis, un message d'erreur indiquant que la génération automatique des tâches peut poser problème et déstabiliser le système. Si vous avez rencontré un problème d'autogénération des tâches, redémarrez le système et désactivez-le via le menu du THBrain. Et derrière ce message d'erreur, un rouage. À ce stade, on dirait que le jeu veut que soit le joueur désactive tout, ou alors qu'il poursuive sa quête, dans un environnement carrément hostile. Le joueur accepte cependant la mission d'aller récupérer 10 masques de chair pour le fameux carnaval et quitte la zone. Mais dans cette nouvelle salle, on se rend rapidement compte qu'il y a un problème. Cet endroit n'est pas une nouvelle zone de jeu, mais plutôt un lieu totalement glitché mélangeant plusieurs textures rencontrées dans l'aventure. La maison au milieu de ce chaos est celle de Mathias, et il est possible de remarquer que le robot boxeur est là lui aussi, caché derrière un arbre. D'ailleurs, en explorant la zone, on se rend compte que nous sommes en réalité sur la place centrale du village. Il est même possible de retrouver l'emplacement de la statue de Foxo, qui a été remplacée par un bouc avec de grandes cornes. Visiblement, toutes les textures ont été mal générées, sauf la maison de Mathias. En rentrant dans la maison, une vieille musique espagnole retentit où il est possible d'entendre un homme parler de l'approche de la mort. Le joueur examine ensuite des documents présents sur un bureau. Une série d'étranges croquis mentionnant toujours le même nom, qui après quelques recherches Google nous laisse penser qu'il s'agit de Benjamin Solari Paravicini. D'ailleurs, on a déjà eu des références à Paravicini, plutôt dans le jeu. Juste ici. Cette version de la Statue de la Liberté a été imaginée par Paravicini, suite à une vision que ce dernier aura eue prédisant le 11 septembre 2001 dans les années 60. Pour résumer, Benjamin Paravicini était un peu le Nostradamus argentin. Pour faire simple, c'était un artiste excessivement perché qui prétendait communiquer depuis l'enfance avec de nombreuses entités féeriques, divines, et avoir été en contact avec les extraterrestres. La totale, quoi. Durant toute sa vie, Paravicini a couché ses visions sur le papier en illustrant des milliers de prédictions. D'ailleurs, il est possible de rapprocher Paravicini d'un personnage que l'on a déjà croisé dans le jeu, Joseph de Cupertino, qui a lui aussi reçu de Dieu la possibilité de voir l'avenir. Dans la maison de Mathias, le joueur découvre ensuite une porte surmontée d'une croix.
Et c'est comme ça que se termine la première partie de l'upload de cet enregistrement. Dans la description de la vidéo, Alluvium précise qu'il uploadera le reste une fois qu'il aura bien tout vérifié et que ça durerait environ une heure. Ce qui veut dire que nous aurons encore droit à un ou deux nouveaux uploads de la part d'Alluvium, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. Avec tout ce que l'on sait sur l'univers de Valle Verde, il apparaît relativement clair que si la maison de Mathias a été épargnée par la force démoniaque, c'est certainement grâce à sa piété. La chambre de Mathias est remplie d'hommages à sa religion, et les références à Dieu sont omniprésentes. Et si le robot boxeur n'a pas été affecté par la corruption, eh bien c'est peut-être pour nous faire comprendre que seuls les humains peuvent être touchés par ce mal. Quant à la scène du portail angélique, on peut très sérieusement penser qu'il s'agit de la porte du paradis, et qu'ayant mangé le fruit défendu, le joueur s'en voit refuser l'accès. C'est d'ailleurs précisément ce qui se passe dans la Genèse. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Du coup, qu'est-ce qui est réservé au joueur? L'agonie. Et une agonie qui n'a pas l'air particulièrement cool. Et une fois réveillé, il se retrouve dans un monde fait de ruines et totalement buggé. Mais les références religieuses avaient commencé bien avant que l'on s'intéresse à l'enregistrement en lui-même. Souvenez-vous, la boîte contenant la VHS a été retrouvée sous une statuette représentant la Vierge Marie. Bon, faisons un petit récap. On a un enregistrement d'une phase de test d'un jeu vidéo qui devait sortir sur la première PlayStation et qui utilise une technologie expérimentale. Valle Verde est l'œuvre d'une entreprise japonaise en partenariat avec des équipes de développeurs espagnols qui auraient mis au point le TH Brain spécifiquement pour ce jeu. On sait aussi qu'une sorte d'entité démoniaque sévit dans le monde de Valle Verde sous le nom de The Smiling One et qui serait en mesure de capturer les consciences des jeunes testeurs qui s'y sont aventurés. Tous semblent avoir totalement disparu, sauf Mathias, car visiblement c'est un bon petit catholique que sa foi aurait protégé de l'influence du Smiling One. Peut-être même que c'est l'amour de Mathias pour Dieu qui a permis, lorsque le jeune argentin a utilisé le TH Brain, d'implémenter dans le jeu une puissance divine permettant de lutter contre la moisissure numérique de celui que l'on nomme « celui qui sourit ». Mais il reste pas mal de zones d'ombre vis-à-vis de cet enregistrement. Pourquoi cet étrange VHS a été enterré de cette manière? Il semble assez clair que si on veut cacher quelque chose, on ne met pas une statuette et une ficelle rouge. Ou alors, c'est parce qu'on veut que ce soit retrouvé. Mais pourquoi? Et cette date du 22 mars 1997, que signifie-t-elle réellement? Comme Alluvium a précisé qu'il y aurait d'autres uploads à venir, la seule chose qui nous reste à faire est d'attendre la suite. En dépit de ses qualités indéniables, Valle Verde contient cependant de nombreuses petites imperfections. Tout d'abord, pour un public occidental, les références à la religion et aux 7 péchés capitaux sont un peu grossières, et il ne faut pas très longtemps pour découvrir le fil rouge de cet enregistrement. Et puis, si on s'en tient au standard de la narration horrifique, il semble évident qu'il y a un problème de rythme. Valle Verde est rempli de choses qui sont normalement à proscrire lorsque l'on souhaite faire de la fiction horrifique. Alors oui, l'ambiance est pesante, et les jumpscares sont vraiment bien timés et fonctionnent particulièrement bien, mais tout va vraiment très vite. Installer un climat hostile ou de danger prend du temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de build-up. Toute séquence horrifique doit normalement être précédée d'une mise en contexte. Dans la fiction horrifique plus spécifiquement, il faut notamment que l'on ait eu le temps de s'attacher aux personnages qui vont être mis en danger, sinon leur sort n'intéressera que peu le spectateur. Valle Verde propose un démarrage en trombe. Dès la première phase de dialogue avec le maire de la ville, le jeu nous plonge instantanément dans son univers, sans que l'on ait eu le temps de comprendre le contexte même de la diégèse de Valle Verde. Mais malgré toutes ces imperfections, ça marche. Comme je le disais, les écueils précités sont habituellement à proscrire dans la narration horrifique. Oui, dans la narration horrifique mainstream, comme pour le cinéma et les séries télé. Mais Valle Verde est plus spécifiquement une œuvre d'analogue horror. Alors oui, on reste dans la narration horrifique. Mais ce nouveau genre dénote tellement de ce qui peut se faire sur d'autres médiums que l'on peut se poser la question de savoir s'il est vraiment pertinent de reprocher à une œuvre d'analogue horror de ne pas coller au code parfois trop dogmatique du cinéma. Le build-up est toujours important, mais le fait qu'il n'y en ait pas sur Valle Verde est, je pense, un parti pris artistique. D'ailleurs, pourquoi poser les bases de l'univers de l'œuvre quand on peut les disséminer ici et là dans le déroulé de son propre récit? Au final, qu'il s'agisse d'un ARG, ou plus généralement d'une fiction d'analogue horror, il faut peut-être savoir casser les codes et happer le plus rapidement possible les spectateurs pour attiser leur curiosité.
Valverde a fait un choix, celui de plonger directement le spectateur dans son univers cauchemardesque et, soyons honnêtes, beaucoup d'œuvres assez semblables à Valverde ont pu voir le jour ces dernières années, mais la qualité de cet enregistrement les surpasse toutes. Une fois de plus, j'aimerais insister sur la méticulosité de ce travail. Les détails, même les mieux cachés, ont tous été pensés pour faire de Valverde un tout cohérent. Et une fois de plus, regardez la qualité de l'animation. Je refuse de croire que des professionnels de l'animation, voire du jeu vidéo, ne sont pas derrière ça. Et si tout ceci n'est l'œuvre que d'un seul homme, alors tous mes respects. Que ce soit un réel enregistrement, un ARG, ou même le moyen qu'a pu trouver une personne pour exorciser ses traumas issus de ses années de catéchisme, Valverde est un petit bijou d'analogue aurore, et s'annonce d'ores et déjà comme une référence absolue du genre. J'ai probablement laissé passer un certain nombre de détails dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à me faire part de vos trouvailles et théories en commentaire. Pour ma part, je vais attendre avec beaucoup d'impatience les prochains uploads d'Alluvium, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne de ce créateur, parce que oui, les personnes derrière Valverde viennent tout de même de nous offrir gratuitement une masterclass d'analogue horror, et rien que pour ça, on peut les remercier. Je vais rester à l'affût et je vous donne rendez-vous ici pour la prochaine partie de cette étrange histoire de l'ère numérique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'immense majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. N'hésitez donc pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo à vos amis. Ce ne sont que quelques clics pour vous, mais ça aide grandement la chaîne. Comme vous avez sûrement pu le remarquer, l'algorithme YouTube ne m'a pas encore admis dans son cercle privé, alors abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.